dit, il y en avait eu des matchs comme celui qu'on va livrer face au Mali. Quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est du stress? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Ou est-ce qu'il y a la confiance dans le groupe? Non, il n'y a pas de stress. Je ne pense pas qu'il y a du stress. Voilà, c'est un match comme tout autre, mais c'est l'enjeu qui change en fait. Voilà, ce n'est pas la pression, on va jouer notre match comme il faut. Voilà, on va tout donner pour ce match, vu qu'on a aidé. Les faux matchs qu'on a eu à faire ces trois derniers mois. Pour l'envers, c'est de se racheter nous tous pour avoir ces qualifications. C'est l'objectif. Je ne pense pas qu'on va changer quelque chose dans notre jeu. On va jouer ce qu'on sait. Mais on va se donner à 200%. Justement, est-ce qu'à la veille de ce genre de match, est-ce qu'on appelle des conseils de gars? Est-ce que vous, comme vieux joueur, est-ce que vous les trouvez? Est-ce que vous parlez de ce match-là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, pas particulièrement. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il connaît, il sait déjà l'enjeu du match. Voilà. Il y a des grands joueurs qui sont dans les grands clubs aussi. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis, c'est pas le fait de se mettre la pression sur des dégâts. Voilà. Au fond de tout un chacun, on sait que tu dois donner le mieux de toi-même. Et puis, donner tout ce que tu veux à 100%. Après ça, il n'y a pas une autre map pour se cacher pas pour du monde. C'est le dernier match. Donc, je pense que tout le monde se donne à 100%. Alors, franchement, il y a le Maroc, mais il y a aussi Everina, c'est vrai. C'est devenu une sorte de psychose pour les Ivoiriens en tant que temps en général. Qu'est-ce que ça vous inspire de retrouver le chemin pour la seconde fois de Everina? Surtout que vous avez connu son chemin lors de la CAN 2017, ça ne s'était pas déplacé, on va dire, un peu pour les Ivoiriens. Bon, concernant le Maroc, déjà, on n'a pas grand-chose à dire. Voilà, ils sont confiants vu que déjà ils sont à un point de la qualification, avec une match ils sont qualifiés. Donc, ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas en tête en fait. Mais compte tenu du coach Everina qui pas qu'il connaît pratiquement tous les joueurs, mais on va essayer de jouer nos bateaux, même s'il nous connaît, mais voilà, ça fait pratiquement, je pense, 3 ans ou 2 ans on n'est pas avec lui. Les choses changent, donc on va essayer de changer les choses. Ce qu'il pense qu'il connaît le mieux de nous, on va changer ce qu'il peut. Voilà, juste pour les déstabiliser et puis changer notre manière de jouer. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui, on va essayer de tout chambouler, même s'ils nous connaissent mieux. Voilà, on va juste ce qu'on sait, mais ça va marcher. Alors, vous avez rendu compte, gardien des éléphants de Côte d'Ivoire, qui nous faisait l'amitié, n'est-ce pas, de répondre à quelques questions pour notre site CV Football. Merci et à très bientôt. Merci.